À la une de ce soir, le Premier ministre Jean-Michel Sama a demandé que à Toulouse pour la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique pendant 3 jours. Cette conférence va se pencher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et attirer les investisseurs japonais vers son pays. Cette participation avec des ministres sectoriels prouve l'importance que Jean-Michel Sama Lukonde et son gouvernement attachent au secteur concerné par les discussions qui vont avoir lieu au cours de cette rencontre internationale pour le développement. Cette conférence devra en effet plancher sur plusieurs thèmes d'une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo, notamment l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid, le changement climatique, la sécurité humaine, la transformation numérique, l'énergie verte et autres. Elle devra à terme permettre d'attirer et accélérer davantage les investissements ainsi que d'aborder la question du financement japonais pour le développement de la RDC dans les secteurs social en concurrence, la promotion des efforts dans les secteurs de la santé avec la couverture santé universelle dans les secteurs de l'éducation où le gouvernement applique la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire et dans les secteurs de l'environnement dans les soutiens pour les mesures relatives au changement climatique et à la présentation des catastrophes. Elle devra à terme permettre d'attirer et accélérer davantage les investissements ainsi que d'aborder les questions du financement japonais pour le développement de la RDC dans les secteurs social, en l'occurrence de la promotion de l'effort dans les secteurs de la santé avec la couverture santé universelle dans les secteurs de l'éducation où le gouvernement applique la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire et dans le secteur de l'environnement avec le soutien pour les mesures relatives au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Dans tous les domaines comme dans celui relatif à la paix et la stabilité principale dans la partie est du pays, le chef du gouvernement est arrivé pour faire entendre la voix de son pays. Changeons de chapitre à présent, les défis et les enjeux étant majeurs pour garantir la paix, la conférence nationale, l'AITA, une plateforme à jouer pour les élections transparentes et apaisées, a émis des recommandations dans ce reportage. C'est un point de presse qui fait le constat des avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre du processus électoral en cours depuis l'installation de l'actuel bureau de la CENI. L'AETA félicite et se réjouit. AETA salue et encourage la CENI d'accélérer la validation des données de la cartographie opérationnelle actualisée et cela prélude à la révision du fichier électoral pour la tenue dans le délai constitutionnel des élections crédibles, inclusives et apaisées. Il a également s'agi d'une orientation afin de pallier anticipativement sur certains faits qui risquent d'impacter sur l'ensemble du processus. Conformément à son chemin critique, AETA rappelle qu'il reste moins de 400 jours avant la convocation du corps électoral. Au regard des délais critiques et compressés des opérations électorales planifiées par la CENI. Les défis et les enjeux étant majeurs pour garantir la paix et la concorde nationale, l'AETA a émis des recommandations. CENI doit opérer un choix judicieux de l'approche technique et opérationnelle de la révision du fichier électoral dans la mutualisation avec l'Office national d'identification de la population ONIP pour la prise en compte et la gestion concertée de 28 variables liées à l'enrôlement et à l'identification de la population qui entraînerait un temps supplémentaire pour la Commission électorale nationale indépendante. Central qui s'occupe de l'assainissement explique les raisons
de sa descente sur terrain dans la commune de Kalamu, choisie par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour la sensibilisation de garder propre son environnement. Elle est dans ce propos que nous propose Noé Lambo. Bonsoir, tout le monde est venu sur le terrain. Comment vous voyez la team dans la distance de l'heure sur le terrain? Nakiti sur terrain, pas en tant que maman, en tant que vice-premier ministre du gouvernement central en charge de l'environnement. Environnement est allé ma cambo et assainissement. Naïe spécialement na combo à gouvernement pour appuyer action et à ville. Le vice-gouverneur à l'équipe na terrain pour na zone sa Kinshasa, na nenge to zala qu'il faut na appuyer. Ya mwana ba kinwa il faut to yeba. Moutouté que le Lukao appuie, balongoli kioski nanga, basali établissement nanga boye yeba ke awa gouvernement central les ali, gouvernement provincial les ali, commune pe les ali, et puis ba ponamina bino pe ba parlementaire, donc y a assemblée provinciale basali. Même au niveau national, tozali awa. C'est inconcevable, mbo kanabiso kin yabakin, et comment que babenga ango kin la poubelle, biso to yeba Kinshasa. Donc on travaille avec un abino bakinois. Chaque quartier a se prendre en charge. Mais tu t'osas le long à Kansito, awa, soki kauka. Banda awa, moulongo, to longwa, awa, ti, université, mobimba, ti, to rokoma bongolo, rond-point, to rokoma rond-point, ezo, ti, to romata rond-point, gaba. Chaque fois, to komi na quartier, moko songolo, organisez-vous. Kaka bino, ne to rozo abino, pour na retravailler, ki nezo ma propre. T'osas na compétition. Commune par commune. Commune oyo ekozala propre nenge bourgmestre azalia wa ayebaka commune one ekozala na prix commune oyo ekozala pe na salité commune wana pe ekozala na sanction donc chaque bourgmestre ayeba alekisa yango na ba chef wa quartier chaque chef wa quartier ayeba alekisa yango na ba chef de rue lelo oyo ebongi mutu nyonso ayeba bourgmestre na ye ya commune za nani chef wa quartier na ye nani chef de rue na ye nani. Yo pe chef de li yeba ki oza na mikolo mike, vi na yo, na kati ya musala na yo, ezo dependre na kalite ya balabala na yo. Donc to lendi salite, to lendi salite. Na zongeli, na boyi ba trafic d'influence. O kieske wana, general moko a ye, colonel moko a ye, to boyi makamwana, polisi pe azali awa. Donc na niveau ya gouvernement central, to pe sibino avertissement. Ba oyo bazana na commune mususu to bandi awa na Kalamu ba yebite bobongama bobongama na zo yebisabino plus rien ne sera comme avant nde maloba oyo nga na eko yebisabino na kombo ya président de la république na kombo ya premier ministre yango wana. De nouveaux droits, quel a été le thème abordé par le réseau des unions et l'association de jeunes avocats de barreaux de l'Afrique centrale, UBAC, du 23 au 25 août 2022, une deuxième édition des universités de jeunes, du jeune avocat, une plénière qui a connu l'intervention du ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luandongboyo, dans sa casquette d'avocat spécialiste du droit minier. Suivez ce commentaire. Le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandongboyo, a démontré le rôle primordial de ces secteurs dans le développement du pays. Dans sa casquette d'avocat spécialiste du droit minier, est intervenu au cours d'une plénière de la deuxième édition organisée du 23 au 25 août au fleuve Congo à Kinshasa. À l'ordre du jour, le jeune avocat face au marché de nouveaux droits. La République démocratique du Congo comptait parmi les plus riches en minerais au monde. Le potentiel illimité de notre sous-sol ne plaît à démontrer. C'est la raison pour laquelle Maître Guy Luandongboyo est en faveur d'une participation accrue de l'État dans le secteur afin de tirer parti du maximum d'externité positive.
Le secteur de mines peut non seulement contribuer à réduire le taux de chômage dans notre pays, mais également d'améliorer le climat des affaires nationales, a-t-il déclaré. À la clôture de cette conférence, Maître Guilherme Mboyo a reçu un diplôme de mérite par le président de RIBAC, Maître Audrey Bikindao. Ce soir sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Maître Benjamin Chiruza, qui est le coordonnateur provincial d'une structure Nouveau Congo avec le docteur Denis Nicolier. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame Constance. Et quelles sont les nouvelles du Nouveau Congo? Nouveau Congo avec le docteur Denis Nicolier se porte bien. Nous sommes un mouvement de masse, un mouvement citoyen. Nous nous sommes ralliés à l'appel solennel qu'ont lancé le 30 juin 2022 les compatriotes intellectuels congolais, notamment le professeur Maïndo et d'autres, qui ont courageusement demandé au prix Nobel de la paix le professeur docteur Denis Mukwege de porter sa candidature pour les élections prochaines de 2023 à l'élection présidentielle. Mais le docteur Denis Mukwege n'est pas politicien. En RDC, n'y a-t-il pas un critère pour le devenir? Madame, merci beaucoup pour cette question. Nous aimerions éclairer les lanternes de nos téléspectateurs ou nos compatriotes. Et est-il qu'il n'y a pas de profil fixe pour être président de la République? La politique, c'est quoi? La politique, c'est cet art de pouvoir servir les autres, de bien faire les choses pour la communauté, d'aider les autres. Et le docteur Denis Mukwege n'a fait que ça depuis qu'il a commencé sa lutte. Et loin de son bloc opératoire, il s'est fait remarquer sur les scènes nationales et internationales par l'ensemble des plaidoyers qu'il a amené pour dénoncer les affres causées par les guerres intempestives qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo, notamment en réparant les femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de profil. La Constitution dit qu'il y a un critère d'âge et un critère de background ou d'intellectuel. Et nous avons estimé que le professeur a rempli tous les critères possibles pour que demain, il soit celui qui représentera la population congolaise ou est celui qui défendra les intérêts de toute la population congolaise. Va-t-il réussir dans ce nouveau combat que vous lui imposez? Au fait, à présent, il ne s'est pas encore prononcé. C'est nous, la structure Nouveau Congo, avec d'autres structures, qui travaillons sur le terrain pour... avec la pétition que nous avons lancée récemment, nous demandons à ce que les Congolais, les Congolaises signent cette pétition. C'est au travers de cette pétition que nous allons prouver au prix Nobel de la paix que par rapport à ce que nous vivons pour l'instant, les choses ne marchent pas. Les politiciens qui viennent pour nous secourir, ils sont toujours là pour leurs intérêts égoïstes. Alors, les peuples veulent se choisir cette fois-ci un candidat. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous soit imposé, mais cette fois-ci, le peuple veut jeter son dévolu sur quelqu'un qui viendra pour l'intérêt général, qui n'a pas besoin de s'enrichir, qui n'a pas besoin de se faire des millions, mais qui sera là pour les biens de la population et pour défendre les intérêts de tout Congolais. Merci beaucoup, Maître, pour rester avec nous. Mais là, nous allons prendre cette information. Parlons politique en bref. Depuis plusieurs jours, déjà, la situation sécuritaire dans le territoire des Kouamoutou, la province de Maïndombe, a créé une puissance totale, non seulement du côté des autorités du pays, mais aussi au sein de populations congolaises qui habitent ce coin de la RDC, à travers un message de paix adressé au peuple congolais en général et particulièrement aux habitants de Maïndombe. Martin Fayulu Madidi a dénoncé une main noire en rapport avec les répressions qui sévissent actuellement dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Je suis convaincu que Kouamoutou n'est pas un fait isolé, l'a-t-il ajouté. Inauguration d'un nouveau poste frontalier moderne entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est à la frontière de Ruzizi 1 au sud Kivu que s'érige cette bâtisse levier du croissance économique de cette province. C'est le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussard, qui a coupé les rubans symboliques de cette infrastructure réalisée sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Quittons Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Ituri. Il est allé sensibiliser sur la paix, le développement de la province et pour les élections de 2023. Lui, c'est Corneille Nanga Yobelo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a foulé le sol de l'Ituri le jeudi 25 août 2022. Il a été reçu par le patron de la province, le lieutenant général Louboya Kachama Djouni. Suivez ce reportage de la presse militaire. La province de l'Ituri a besoin de respirer la paix afin de faciliter son développement. Message de Corneille Nanga Yobelo, ancien président de la CENI, reçu ce jeudi à Bunia par le gouverneur militaire, lieutenant général Louboya Kachama Djouni. Nous sommes venus contribuer à la paix parce que nous ne pouvons pas rester silencieux devant les affres, devant les problèmes que connaissent nos frères dans cette partie du territoire national. Et au lieu de penser à la tuerie, qu'on commence à penser, à parler développement. Au lieu de parler guerre, qu'on parle développement. Au lieu de parler massacre, qu'on parle désormais développement. Il s'est dit flatté du travail abattu pendant cette période de l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'État dans cette province. Des actions qui nécessitent l'implication et l'accompagnement de tous, a-t-il dit. Le fait que Bunia soit fréquentable, le fait que nous venons, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Il faut contribuer là-dessus. La raison pour laquelle l'état de siège a été installé, mais il faut comprendre que c'est un processus, un long processus. Les espoirs sont énormes. Depuis plus de 25 ans, cet espace du territoire national est sous les affres. Et l'image qu'on donne aujourd'hui, que l'Ituri donne aujourd'hui au monde et au pays, c'est quoi? L'image, c'est tuerie. L'image, c'est massacre. L'image, c'est viol. L'image, c'est groupes armés. Il va falloir que nous travaillions pour que cette image change et qu'on parle désormais développement. Ce vendredi 26 août, Corneille Nanga va animer une conférence sur le thème « Jeunesse congolaise, paix, élections et développement » et cela sur invitation de l'Université de Bunia. Les forces armées de la République démocratique du Congo, félicitées par le chef de mission pour l'immigration OIM en République démocratique du Congo pour la réouverture et la sécurité ou la sécurisation de cette partie de la République sous état de siège. Ces actions ont permis à cette agence internationale d'intensifier ses interventions en faveur de déplacés de Djougou, Mahdi et Irumu. Sarah Moubissa depuis Ituri. Sous l'état de siège en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire de Djougou, d'Irumu et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef d'émission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de province, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration
de la situation sur certains axes qui étaient très très importants pour nous. La sécurisation, entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bounia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bounia-Komanda, Bounia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en ces jours sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée tout comme la nuit sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bounia-Kassegni, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial. Madeleine Nukumba a accordé une audience aux directeurs provinciaux de la Régie des Eaux et de la SNEL en vue de trouver des solutions pérennes dans cette province. À vous ce reportage. Il est question pour l'autorité provinciale de s'imprégner de la réalité et des difficultés qu'éprouvent la Société nationale d'électricité et la Régie des eaux dans la province de La Tchopo en général et dans la ville de Kisangani en particulier. Le souci du gouverneur Madeleine Nikomba Sabangu est d'étudier quel appui apporter pour trouver une solution durable à l'épineuse question de desserte en eau potable et en énergie électrique. L'occasion est alors bien indiquée pour les directeurs provinciaux de la Régie des eaux et de la SNEL de porter les difficultés de leurs entreprises respectives à l'oreille attentive de la chef de l'exécutif provincial qui promet une implication totale, comme le dit au sortir de l'audience Alphonse Kitambala Tabou, directeur provincial de la SNEL. Présentement, la SNEL est en train de traverser beaucoup de difficultés. Alors, le souci de l'autorité, c'est de trouver des solutions définitives. C'est ainsi qu'en échangeant avec elle, elle vraiment s'est engagée à trouver des solutions pérennes avec le gouvernement central même, qui sera intéressé pour qu'une solution définitive puisse être trouvée. Puisque vous comprendrez que notre centrale ici date de 1955 et il y a eu beaucoup de pannes à répétition. C'est comme ça, elle s'engage à ce qu'une solution définitive soit trouvée en passant par la réhabilitation complète de la centrale et de trouver d'autres infrastructures. Il faut rappeler que les Boyomènes ne cessent de se lamenter de la qualité d'eau fournie par la Régie des eaux et les pannes répétitives à la centrale hydroélectrique de La Tchopo plongent continuellement la ville de Kisangani dans le noir. La dernière en date est celle d'il y a environ 2 mois, la centrale n'étant au jour d'aujourd'hui en mesure de produire que 5 mégawatts. Lors de sa première adresse à la population boyomèse, le gouverneur Madeleine Nikomba Sabangu a rassuré et classé la question des dessertes en énergie électrique parmi ses priorités. Parlons éducation à présent. L'école de l'eau de l'université de Kinshasa vient de signer un partenariat interuniversitaire avec l'université Saint-Pétersbourg de la Russie. C'est le recteur de l'UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, et le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur russe, le professeur Valérie Mikleve, qui ont procédé à cette ratification en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, République fédérale de la Russie souveraine. C'est une rencontre de haute facture qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération et d'un partenariat interuniversitaire entre l'université de Kinshasa et celle de Saint-Pétersbourg de la Russie.
Foulant les sols de l'UNIKIN, le recteur de l'Université météorologique de Saint-Pétersbourg, professeur Valérie Mikev, ensemble avec sa délégation, ont été accueillis chaleureusement par le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, avant de se diriger dans son bureau de travail pour les échanges entre ces deux personnalités en présence de l'ambassadeur de la RDC en Russie. Dans sa prise de parole, le professeur Jean-Marie Kayembe, au nom de son comité de gestion, a fait la présentation de son alma mater, à laquelle il a défini plusieurs défis auxquels son institution est confrontée, notamment la numérisation de la gestion académique, le développement de filières innovantes et porteurs de croissance. Pour lier l'utile à l'agréable, un protocole d'accord du partenariat interuniversitaire sur l'étude de l'eau a été signé par le recteur de l'UNIKIN et celui de Saint-Pétersbourg à la satisfaction de tous, suivi d'une signature dans le livre d'or de l'UNIKIN. L'aboutissement de cet accord a été un motif de joie pour le professeur Valérie Mikev et le professeur Jean-Marie Kayembe. La cérémonie est solennelle dans la cour de l'université. J'ai beaucoup apprécié la marche faite par les policiers de l'université. Et donc, j'espère que l'accord qu'on a signé aujourd'hui va avoir des résultats pratiques. Nous venons de signer un accord capital pour l'évolution de nos enseignements et surtout, particulièrement pour notre école, l'école de l'eau. Leur université est spécialisée en météorologie, en hydrologie, etc. La gestion de sortie de résultats de l'examen d'État pour Kinshasa Tchangou, c'était hier jeudi 25 août 2022. Le ministre de l'EPST promet la continuité de cette publication pour Kinshasa et le reste de province. Après un temps de patience, enfin, les résultats des finalistes de Kinshasa Tchangou sont connus depuis jeudi 25 août 2022 dans la soirée. Mouvement de réjouissance observé auprès des jeunes après connaissance de leurs points des épreuves des dissertations et des 4 jours. Cette immense satisfaction a tourné au désastre dans la commune de Lancélé où un lauréat a trouvé la mort et plusieurs blessés suite à un accident de circulation. Pourtant, les autorités de la ville avaient interdit des tapages. Pour les rester à Kinshasa, les ministres de l'EPST rassurent la publication progressive des résultats des provinces restantes. À une scène de double mariage, un homme a décidément libéré de marier sa femme à un autre mari pour une somme de plus ou moins 4 000 $ lui versé comme dot. Raissa Kitambala nous en dit plus. Incroyablement vrai, le fait s'est passé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Un mari qui, par des raisons qui lui sont personnelles, s'est arrangé avec un autre homme pour livrer sa femme en mariage pour une somme de 4 000 $. Les duels passent au désagrément à l'arrivée des membres de la famille. L'affaire semble être conclue avec la complicité de la femme, laquelle, surprise par la présence de la famille, chercherait à se soustraire de la scène. L'opinion s'interroge sur la vraie motivation de cet acte immoral qui n'honore pas la culture africaine.
Yagawa. Yagawa. Notre invité est toujours là, Maître Benjamin Chirouza. Pourquoi vous avez porté votre choix seulement chez Denis Mukwege? Merci beaucoup, Madame Constance Chimanga Balabu. Les choix du professeur Denis Mukwege n'est pas un choix hasardeux. C'est parce que nous avons un constat amer sur la gestion de la République démocratique du Congo. La République est mal gérée. Nous avons cru que l'alternance que nous avions vécue en 2018 nous amènerait à une paix durable. Mais depuis cette alternance, nous avons vécu des guerres à tout bout de champ à l'est de la République. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, Bounagana est occupé par des soldats étrangers. Vous pouvez vous imaginer en un seul instant, nos frères et sœurs qui sont à Bounagana, maintenant là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Alors qu'il y a un gouvernement en place qui n'arrive pas. Je sais qu'ils sont en train de fournir des efforts, mais ils n'arrivent toujours pas à démanteler ces réseaux de bandits qui oppressent notre République. Merci beaucoup. Pour finir, à votre avis, donc, c'est le docteur Denis Mukwege qui va mettre fin à cette guerre de l'Est? Le docteur Denis Mukwege a toujours été au service de la population. Et ses plaidoyers ont amené la communauté internationale à comprendre. Alors qu'il y avait, il y a des leaders politiques ici à Kinshasa, Mukwege qui est à l'Est a fait des plaidoyers sur le plan international et sa voix a été écoutée par toutes les nations, qu'il y a des femmes qui sont violées chaque jour à l'Est, qu'il y a les étrangers qui nous oppressent. Et cette guerre n'est pas une guerre entre les ethnies congolaises, mais il y a des intérêts étrangers qui sont en jeu et nous continuons à souffrir à cause de cela. Et nous avons vu, par son humanisme, par sa façon de vouloir à ce que tout le monde vive mieux en République démocratique du Congo, son altruisme, nous avons porté notre choix sur sa candidature pour que, en devenant président de la République, il porte plus haut ses combats et que la paix règne en RDC, la justice, et que nous nous mettons sur les rails pour un développement intégral. Merci beaucoup. C'était là le coordonnateur provincial de la structure Nouveau Congo. Et pour boucler cette grande édition du journal à l'international, la mort de Lumumba, de Patrice Emery Lumumba, n'a pas été profitable pour les prêtres de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration du président Yoweri Museveni, le président ougandais. Il salue la coopération de la communauté de l'Est, de l'Afrique de l'Est, qui donne à cette partie la capacité de résoudre le problème entre la RDC et le Rwanda. Plus de détails dans ce propos interprété par Caleb Kalonji depuis Uganda. So this is very easy. Once we cooperate with East Africa, because now Tshisekedi, c'est très facile. Une fois qu'on coopère avec la communauté de l'Afrique de l'Est, maintenant que le président Tshisekedi a vu qu'il devait travailler avec la communauté de l'Afrique de l'Est, nous avons cette capacité de résoudre ce problème de sécurité. Maintenant, le problème entre le Congo et le Rwanda, c'est très facile de le résoudre étant la communauté de l'Afrique de l'Est. Je crois maintenant les Nations Unies devraient soutenir la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est la bonne manière de résoudre ces problèmes. Parce que ces problèmes, c'est un problème très facile à résoudre si nous avons aussi le soutien des Nations Unies. Et si on revient en arrière, le problème du Congo a commencé après l'assassinat de Lumumba
par les impérialistes en utilisant plusieurs traîtres, y compris Mobutu. Ils ont cru qu'en assassinant Lumumba, ils prendront les déçus. Mais les conséquences est que le peuple congolais a beaucoup souffert parce que le traître n'a pas une capacité de résoudre le problème. Ils sont juste de traîtres, voler et faire autre chose. Le problème avec les Nations Unies, ils travaillent avec le traître. Voilà là où le problème réside. Le traître, ils n'ont pas la capacité de construire une force intérieure, de construire une armée nationale, parce qu'ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ont préféré travailler ou devenir des agents pour d'autres personnes. On pouvait déjà beaucoup réaliser, parce que ça, c'est un petit problème. Merci, maître, de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame Bala Boutimanga. Fin complète de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos informations restent à continuer sur toutes nos plateformes numériques. Bye bye.